Salut et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Samorosto 3. Donc on est parti. On va essayer de terminer ce passage là. Donc j'étais ici. Alors qu'est-ce qui... Ah merde, putain, je me voyais même plus. D'accord. Donc on va essayer ici hein, de voir ce qu'on peut faire parce qu'apparemment... Vu qu'il n'y a que... Attendez, une... Ouais, la zone des troncs, la zone du vendeur et puis la zone où il y a tous les oiseaux là. Donc comme on peut pas aller par là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose ici. Donc on va bien se prendre la tête ici pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Et au pire des cas, je couperai au montage ou j'accélérerai en fait. Donc... On va prendre la petite bouboule. Alors... On va essayer de regarder ça. Par exemple... Putain, mais je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Je vais essayer comme ça. On verra bien, ça passe ou ça casse. Attendez, je pense qu'il y a un truc avec les couleurs. Parce que lui, quand... attendez, regardez. Quand je mets un truc, lui, il s'illumine avec des couleurs... Attendez, bah, attendez, je vais mettre là. Regardez bien, vert. Bleu, rouge. Donc en fait là il me dit par quel canal en fait, voilà là c'est rouge, là c'est les trois. Je crois que j'ai compris en fait. Alors attendez. On va faire ça comme ça. Normalement là je devrais être dans le vert, je vais le poser dans le vert, voir ce que ça donne. Regardez bien la vert. Ah merde, rouge. Bleu, rouge. Donc c'est pas ici, là, rouge, là, je suis foutu. Là, là, c'est bon. Non, c'est pas ça, attendez, je vais bouger celui-ci. Le troisième. Là. Je sais que c'est chiant, mais je pense que c'est ça. Je suis pas sûr du tout, mais... Regardez bien, ah merde, rouge. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je... Ah si, regardez. Mais attendez, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'est super chelou leur machin. Ah, regardez. Ah, d'accord. Donc, la roue là, elle faisait bien en sorte que le truc il se lève. Mais écoutez, maintenant on va pouvoir y aller. Mais j'aimerais quand même comprendre pourquoi celui-ci s'est levé. Donc, j'ai mis là. Le verre là. Ouais, ça reste encore une énigme là pour moi, c'est trop chelou. Mais bon, le principal c'est le résultat. On va pas se plaindre. Allez, rentre là-dedans, petit bonhomme. Ouais, bah moi je croyais qu'en fait fallait arriver par là, mais non. C'est tout le contraire de du plan que j'avais établi moi. Attendez, parce que ici il y a peut-être quelque chose. Ah, oh, cool. Oh, bah, y a rien. On va essayer de voir si on peut se barrer. Ça va peut-être nous ramener dans le tableau où il y a tous les piafs. Ah non. Donc là, on arrive dans une pièce. Dans un espèce de terrier. Ah tiens, donc il y a une mouche. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ça, ça se soulève. Ouais. Ouais. Je vais essayer de suivre ce qu'elle me dit. Elle me dit pas grand-chose, non. Attendez. Mais quand elle vole, je peux plus rien faire. Mais non, putain, je viens de le faire. Je suis pas un connard quand même. Ah. Ouais. Moi, j'imagine qu'il faut ouvrir celle-ci là. Mais ça se présente super mal. Ah, attendez, il y a celle-ci aussi. Ouais. Ok.
Putain, j'y comprends rien, les mecs. Ah, regardez. Ah, la corde, elle s'est tendue. Donc lui, je pense qu'il doit rester à sa place, là. Ah non, là, c'est bon. Allez, putain, pourquoi je peux pas... Oh là là, ça va être une putain de galère, le truc. Là, je peux plus machiner celui-ci. Putain, mais j'y comprends rien. Ah, celui-ci. Ok. Ouais. Celui-ci. Ah, oh la chatte. Oh putain, et je vous avoue là ça... J'y comprends absolument rien du tout. Hein. J'ai pas compris en fait le système, j'ai pas trouvé de logique. Là j'appuie un peu n'importe où. Ah ok. Et nous on sort comment? Et nous, on sort comment, mon petit gars? Faut peut-être se rebarrer par là, non? Attendez, je vais juste voir si je peux pas me barrer par le même trou que lui, parce que là, ça me paraît chelou. Je peux plus le prendre, non, bah, je crois que c'est foutu, en fait, ici. Allez mon gars, on se tire. Hop. Donc là on est bon, on va prendre le trou. Ok, donc là on va être obligé de reprendre l'échelle. Allez, monte là mon petit gars. Attendez, je vais voir si ça rechante pas là. C'est assez sympa quand même, franchement. Je comprends pas, il chante à l'infini ou? Allez, regardez! C'est excellent, tout le monde chante! Oh! Oh, regardez-moi ça! En fait, fallait. Ben, qui se constitue en chorale en fait! Et regardez! Cool! On va voir c'est quoi, c'est ça? Ah, d'accord, ouais, c'est le chant qui est. On va faire avec ça. C'est excellent. Ah bah là, je suis bien content d'avoir trouvé ça, mais en fait, ça, c'est juste un bonus. Alors attendez. Oh, regardez, putain, ok. Tout à l'heure, c'était celui-ci là qui me permettait de mettre un coup de trompette. Maintenant, c'est celui-ci. D'accord. Merde. Ah, j'aurais pas dû bouger. Attendez, putain, merde. Ah non, mais c'est faut rester là en fait. Quel con.
Ok, donc on a un espèce de masque version Ghostbusters. Ok, donc en appuyant dessus, il se transforme en arbre. Ah, ok, donc là il y a un mec sur une machine chelou, une espèce de corps de cochon multi-tête. Oh, je bim! Oh, comment il se fait grailler? D'accord, donc il a perdu la bataille. Ah, ok, coup de lance-flamme sur l'arbre, terminé. Ah, mais en fait, ouais, ok, donc ce qu'on où on est là, l'espèce de tronc mort, bah c'est l'histoire de ce tronc-là en fait. Ah, d'accord. Ok, donc on va remettre un coup, voir aussi là. Des fois que ça active quelque chose. Non. Ok. Donc on va essayer. On va essayer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça butine. On va le faire butiner là. Ok. Oh, regardez-moi ça. Ça a donné une pomme. Ça a donné une pomme. Je vais le refaire butiner. Mais bon, le problème, c'est qu'il me faudrait une autre fleur là. Et je peux pas lui donner à lui? Non. Ça. Non. Et un coup de trompette? Non. Écoutez, on va aller voir notre ami. Ok. Non. Attendez, lui, on peut... Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il lui a chié une merde sur la tente. Putain, attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord, il nettoie. Il nettoie. Attendez, peut-être que éventuellement. On va peut-être lui faire une diversion, attendez. Allez, putain. Chiluine. Voilà. Ah, oh, cool, putain, on a pu fumer dans la chicha. Ouais, voilà. Petit coup de pouvoir. Ok, cool. Bon. Bon, lui, il veut une putain de mandragore de mes couilles, là. Ok, je vais voir si je peux donner quelque chose au piaf, là, non. À lui. Non. Ça. Non. Là, non. Je vais essayer de retourner voir au niveau des plantes. Merde, putain, il n'y en a pas une qui a repoussé entre temps, Deg. Allez, vas-y, viens butiner, on va voir ce que ça fait. Non, ça fait rien du tout. Je vais voir un truc. Ah, oh, putain, regardez-moi ça. Allez, viens butiner là-dedans. C'est quoi, c'est le mandragore ça? Non, ça va pas aller. Hein. Alors, je vais refaire ça et je vais appeler. Je vais la faire butiner parce qu'apparemment, à chaque fois, ça nous fait une plante, une fleur différente. Peut-être qu'à force, elle va se transformer en mandragore, je sais pas. Ah merde, non, pomme. Peut-être qu'en fait, c'est selon le nombre de fleurs qu'il y a sur le tronc, ça donne un fruit différent, non?
Ah, regardez, ça donne encore une pomme. Alors ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la garder. Je vais l'appeler lui, je vais faire butiner là. Ça, c'est super chiant, c'est super chiant. Sinon, faut peut-être que j'aille rechercher des graines. Allez, vas-y, donne-moi le truc orange. Non, ça me donne une pomme. Putain, j'ai pas compris le style, hein, les mecs. Allez, le butiner là. Allez. Ah, oh, ça me donne encore une pomme. Une dernière pour la science. Ah, ça me donne encore une pomme. Putain, je comprends pas, tout à l'heure ça m'avait donné autre chose. Alors attendez, je vais aller chercher des graines. Faire sortir. Ok, donc là ça me donne ça. Alors là je vais le mettre là. Alors, à votre avis, je fais quoi? Je crois que je vais faire ça. Je vais... Je vais appeler la... Voilà, je vais te faire butiner ça. Et ensuite, celle-ci. Voilà, nous revoilà avec notre truc. Ensuite, je vais faire ça. J'ai peur que ça fasse une pomme en fait. Alors, je... Voilà, je vais faire ça, je vais l'appeler et je vais lui faire butiner la blanche. Et après, celle-ci. Allez, dis-moi que c'est ça. Eh, c'était ça, les mecs. Oh là. Alors voilà notre mandragore. Oh cool. Allez, on se tire vite de là. Je suis où là? Ah. Ok. Je savais bien qu'il y avait un espèce de délire dans le genre. Allez, tiens ça mon petit gars. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un thé à la mandragore? Ça va nous donner des super pouvoirs. Merde, attendez, faut que je mette un coup de trompette dessus, je crois. Apparemment, il y a des chants qui se dégagent de la théière. Oh putain, le vieux il est en train de pioncer, ça le fait pioncer en fait. Allez vas-y, je te joue encore un petit air de trompette mon pauvre. Là je t'expédie direct à Songeland. Ah d'accord, attendez. Voilà notre fameuse mandragore. Ok... Ah, faut en faire une concoction en fait. Faut mettre, y ajouter un truc, y mélanger. Ouais. Et ensuite,
Ah d'accord, ça fait une bombe. D'accord. Ok, Cimer. Je vais quand même boire son thé là. Je vais voir. Je crois que je peux pas. Ah si. Ah d'accord, il donne la théière parce qu'il veut nous servir de. De quoi? Ah d'accord. Ah ok, ouais, sympa lieu. Et ensuite on peut se barrer. Ah si merde. Ok. Donc il faut qu'on verse de l'eau chaude sur l'espèce de plante qui bloque notre vaisseau pour la faire disparaître. Allez, viens là. Je sais pas si je me débarrasse pas des pommes, si. Bon, je veux quand même en garder une, on sait jamais. Allez. Cool. Allez, monte dans ton vaisseau, petit gars. Allez, il nous a dit qu'il fallait qu'on aille en haut. Essayer d'aller là-dessus. On y est allé là-dessus ou pas? Non, il me semble pas. Ah non, c'est une nouvelle zone. Cool. Ok. Après, je me dis qu'avec la bombe, faudra peut-être péter le dôme en pierre là, pour y avoir accès. Je pense que c'est ça. Mais pour ça, il va falloir que. Cool. Que je rassemble les ingrédients. Allez, descends. Il y a une espèce de château d'eau derrière. Ah, on peut monter dessus. Ah, allez, écoutez, hop. Mettre un petit coup de trompette. Ah bah regardez, ça m'a enlevé ma pomme. Ok, c'est qu'on en avait plus besoin. Encore le même mec, mais qui c'est ce type là? Oh, lui il a trois trompettes. Ah, mais c'est des bouffeurs d'esprit en fait, non? Oh putain, lui ouais, il va aller même dans les coins, l'enfoiré. En fait, c'est un astre. En fait, lui, c'est caché dans l'astre et le mec, il a fait tomber l'astre ici. Ah ouais, d'accord. Ah bah, il m'a l'air bien malheureux, le petit gars. Ouais. On peut passer par là. Ok, donc la musique, elle a changé. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah, je pouvais peut-être aller là aussi. Sympa la zik. Attendez, je regarde si on peut pas. On va
elle est par là. Ouais, j'ai pas vu les trois totems. Alors. Écoutez, on va monter. Peut-être quelque chose à faire. Ok. Allez. Premier totem. Attendez, je vais chercher ma feuille et mon stylo. Ça sent l'énigme bien relou par là. Ok, donc on en a un. Ce qu'il nous dit. On nous a fait montrer deux barres. Premier. Ensuite. Le deuxième. Ça. Ah d'accord, ça va être par rapport à des signes. Ok. Le troisième. Ah oh, bah c'est un cercle, un anneau quoi. Ok, bah écoutez, on va voir ce qui se trame par là-bas. Bon, je comprends pas, attendez. Ah merde, je peux mettre un coup de trompette ici. On entend comme un bruit de bois, ouais. Non, on peut pas le... Attendez. Je vais le laisser comme ça. On peut pas monter ici. Si, on peut y aller avec ça, non? Ça fera pas office d'escalier? Ah si, putain. Merde, j'aurais dû aller voir ce que c'était ça. Et ouais, quel con. Ok. Donc c'est peut-être ici en fait qu'il va falloir faire le code. Allez, avance là mon gars. Donc on a une ficelle ici. C'est quoi ça? Ouais. Ah, j'ai compris les mecs. Donc ici. Faut laisser un 2 là, ok, et là c'était là, on est bon, ben, c'est ça non? Alors attendez, peut-être qu'il faut qu'il soit à peine couvert. Là. Ah mais merde. Putain, j'avais pas vu qu'il fallait faire ça. En fait, il vient inspecter le code. Et il est pas bon le code. Attendez, je vais remonter. Je vais aller voir ce que c'est là, l'espèce de salière là. Oula putain, peut-être falloir arrêter la vidéo ici. Alors on va lui mettre un petit coup de trompette. Ça se trouve il faut quelque chose avant d'aller en dessous quoi. Ouais, il faut faire quoi avec ça? Faut les mettre dans un sens spécifique.
Je pense que c'est ça, mais... Ah merde. Ah, faut peut-être faire un rond tout bleu en fait, non? Merde. Merde, mais c'est quoi ce délire? Et là? Ouais, putain, je comprends rien. Hop, on va faire ça, on va essayer avec les blancs. Ah, d'accord, regardez, il devient bleu. Il faut y mettre au bon moment. J'y comprends rien. Oh, ça commence à devenir super tendu, les mecs. Ok. Ouais, bah écoutez, ce que je vous propose, bah c'est d'essayer de sortir de ce merdier dans le prochain épisode. Allez, salut!